Et il faisait si froid que ça? Non, à s'embrûler la peau. Là, tu comprends, sur la glace, avec la réverbération. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous violez? Je te ferme, les dames. Un retour inattendu. On va éteindre ces saloperies tous ensemble, d'accord? D'accord? Toi, tu fais ce que tu veux. Ça fait longtemps que tu l'as pas entendu, je suis sûr que tu reconnais ce petit bruit. Franck, lâche-la. Petite. Avant de devoir se cacher dans le noir, il y avait l'Antarctique. Il y avait des manchots. Chaque saison, après la période de couvaison, les mâles marchaient en groupe unis vers l'océan glacé, pour nourrir les nouveau-nés. Un jour, alors qu'ils se déplaçaient en colonne épaisse, voilà que l'un d'eux se détache du groupe. Il refuse de continuer. Il vient de revenir en arrière pour rejoindre la colonie. Il s'affranchit de ses congénères. Certains se tournent vers lui, sans comprendre. Mais ils ne peuvent pas s'arrêter! Et le petit manchot se dirige vers les montagnes, seul. Qui pouvait atteindre les moins 60 degrés! Puis le petit manchot s'est enfoncé dans l'horizon blanc et lumineux de l'immense banquise. On ne le revit jamais.